Nous sommes dans le cloître de la très ancienne basilique de Saint-Bertrand de Comminges, qui reçoit chaque année une foule de pèlerins, une foule de touristes aussi. Mais son histoire est tellement complexe que nous pourrons, grâce à quelques-unes de ses pierres, seulement l'évoquer aujourd'hui. Mais je pense que ce pilier du cloître de l'abbaye nous permettra d'introduire son histoire, justement, parce qu'il est construit à l'aide de matériaux gallo-romains. Il est d'époque romane, mais il marque la frontière avec la construction de la basilique gothique. Et il montre que cette église a été construite, en quelque sorte, dans un élan continu, qui date depuis une époque qui précède celle du Christ, jusqu'au XVIIe siècle, où on a commencé, disons, à l'enlaidir tout en l'enrichissant. Les quatre statues de ce pilier indiquent exactement les quatre points cardinaux. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où de tout temps il y a eu un sanctuaire ici. On parle des Celtes sans en être très sûr. On sait en tout cas que les Romains, au temps de Pompée, y ont établi une ville. Cette cité s'appelait Lugdunum Convenarum. Lugdunum, c'est Lyon, c'est-à-dire une cité placée sous la bienveillance du dieu celte Lug. Ce qu'étaient les convenés, c'était des aventuriers. En réalité, c'était des gens en mouvement. Et en mouvement, pourquoi? Parce que Pompée venait de nettoyer l'Espagne, qui s'était révoltée contre l'Empire romain, et des bandes de fuyards avaient passé les Pyrénées, et s'étaient fixés dans cet endroit où ils avaient fondé cette ville. Une cité romaine d'une importance considérable, puisqu'on a retrouvé au-dessous de la colline de Saint-Bertrand les fondations d'une ville qui pouvait compter 60 000 habitants environ. Et l'oppidum lui-même était fortifié par des murailles qui ont servi jusqu'au temps de la Réforme à vraiment défendre le haut de Saint-Bertrand, où se réfugiaient les gens du bas lors des nombreuses agressions qui ont eu lieu au cours des siècles. C'était une ville importante puisque le commerce était florissant et que la Garonne servait de voie de communication avec l'Espagne. Et pendant la Pax Romana, cette fameuse époque du 1er au 4e siècle où tout allait bien dans le midi, et puis arrivent de fatales années. La première, c'est 408. 408, c'est l'invasion des Vandales. Pas besoin de vous expliquer ce que c'était puisque on en a fait un nom commun. Ils ont détruit tout ce qui se trouvait dans la ville basse, et à peine était-il installé que sont arrivés les Visigoths. Les Visigoths en 418, qui ont recommencé le pillage et tout démoli, ce qui commençait déjà à se reconstruire. Mais l'année fatale pour Lugdunum Convenarum, ça a été au milieu du 6e siècle, l'année 585. Car là, on peut dire que cette ville a été rayée, cette ville importante a été rayée de la carte du monde pour 500 ans. Ce qui s'est passé, eh bien, c'est que les fils de Chilpéric se sont disputés le royaume de leur père. Et l'un d'eux, Gotewald, s'est réfugié ici. Mais il n'y avait pas que des partisans. Si bien que son frère a assiégé la ville qui lui a été livrée, on a jeté le pauvre Gotewald par-dessus les remparts. Mais tout a été pillé par les Francs et démoli au point que tous les habitants se sont dispersés et qu'il n'est plus rien resté. Et on retrouve les traces de Saint-Bertrand de Comminges, enfin de Lugdunum Convenarum, qu'à partir de l'an qu'après, cet an 1000 qui était attendu, vous le savez, dans la chrétienté, avec une telle anxiété qu'on n'avait pas envie de bâtir des villes, mais de prier pour le salut de son âme. C'est l'an 1000, disparu Lugdunum Convenarum, voici naître Saint-Bertrand de Comminges, grâce à ce personnage extraordinaire qui a été Bertrand de l'île Jourdain et qui a commencé, ici, à créer une église romane. Continuant donc l'œuvre romaine,
et préfigurant l'œuvre gothique, qui préfigurera elle-même l'œuvre suivante, car je vous l'ai dit, ce qui est extraordinaire dans ce lieu, c'est la continuité des efforts pour arriver à cette basilique qui, tout en étant multiple, a une espèce d'unité d'élan et mystique, pourrait-on dire. Bertrand, évêque de Comminges, commence donc cette cathédrale romane qu'il ne finira pas, on ne verra pas à la fin des travaux. Il en reste d'admirables choses, en particulier le tympan sur lequel est représentée l'adoration des mages. Il en reste également les premières arcatures. Un autre témoignage de l'activité des bâtisseurs romans, c'est la petite église de Saint-Just, à 500 mètres à peine de la basilique. Les blocs, taillés par les outils romains, servent de base à l'édifice. Un chapiteau est vidé, posé sur un fragment de colonne, sert de bénitier. La noblesse un peu hautaine des personnages du porche montre ce qu'en cette province, au-delà de la Pax Romana, le roman emprunte au gallo-romain. Nous arrivons au XIVe siècle où se présente un nouveau bâtisseur, un nouveau grand bâtisseur qui s'appelle Bertrand, comme le premier, mais lui s'appelle Bertrand de Gaulle. Bertrand de Gaulle va, non pas sur les ruines, mais en continuant l'église romane, faire une nef gothique. Une de ces nefs gothiques à la mode du gothique toulousain, qui sont un immense vaisseau sans chapelles adventices, dans le plan initial, et qui est l'admirable église que nous voyons maintenant. Mais lui non plus ne verra pas la fin de ses travaux. Il a pourtant une belle carrière. Évêque ici pendant 4 ans, Bertrand de Gaulle devient archevêque de Bordeaux, il devient ensuite pape. C'est le premier pape d'Avignon sous le nom de Clément V. C'est d'ailleurs lui qui fera canoniser Bertrand de Comminges, le fondateur de l'abbaye, et qui fera de la cathédrale un lieu de pèlerinage. Vous voyez donc comment, sur 2 siècles, l'architecture se poursuit en des styles différents vers un même but, créer en un même lieu une église splendide et multiforme. La cathédrale gothique est continuée par Pastor, son successeur, et enfin par l'évêque, celui qui devient évêque vers 1350, Hugues de Châtillon, qui lui introduit une nouveauté venue du nord, septentrional, dans cette nef typiquement méridionale. Il ajoute des chapelles adventices destinées aux pèlerins de la route de Compostelle. Ces chapelles ne dépassent pas cet ensemble, qui garde une grâce et une élégance particulière et tout à fait rare parmi les églises et les lieux de pèlerinage français. Et on croit que tout est fini quand les murs sont faits. Non, car 2 siècles passent encore avec des pillages, des incendies, des guerres civiles, avec le début du protestantisme très actif dans le midi de la France. Et voici venir un personnage qui va bâtir au milieu de l'église de pierre une église de bois. Cette église de bois de Saint-Bertrand de Comminges, eh bien, ce sont ces stalles qui comptent parmi les plus belles qu'on trouve en France. Ici, c'est la main italienne qu'on trouve dans ces stalles. Vraiment, la fantaisie, l'habileté d'avoir extrême. Nous allons tout de même regarder ces sibylles, qui sont des choses parfaitement païennes, côtoyer les saints du paradis.
qui frappe dans cet ensemble, c'est son extraordinaire valeur artistique. Jean de Mauléon fit donc, dans le premier tiers du XVIe siècle, en pleine Renaissance, le dernier grand apport à sa Bertrand de Commage par cet ensemble unique de Stahl, dont la symbolique est extrêmement complexe et à l'apparence quelquefois amusante, desquelles il ne faut pas seulement s'arrêter. Nous allons, pour finir, si vous voulez, aller voir une espèce de mémorial de Saint Bertrand qui se trouve derrière l'autel et qui, par des toiles exécutées vers la fin du XVIe siècle, nous montre quelques vues, disparues bien sûr, cachées par la civilisation actuelle, de la campagne, des environs et de cette église. Et tout en regardant ces tableaux, en pensant à ce bâtisseur, à ce fondateur, nous pensons aussi qu'il y a encore à peu près 60 000 personnes par an qui viennent visiter ce sanctuaire et que la beauté de son site, aussi bien que la merveilleuse richesse de ses pierres, vaut la visite que nous lui faisons. Parmi les choses qui m'étonnent dans notre Languedoc, c'est la nouvelle invasion. Le Languedoc a l'habitude d'être envahi, il a été de tout temps. Nous avons eu les Romains, nous avons eu les Visigoths, puis les Francs, puis le roi de France qui est venu se faire rendre hommage par les comtes de Toulouse. Et ensuite nous avons eu les touristes, mais ça c'est une invasion pacifique, tous les étés, nous sommes bien contents de les voir. Mais il y a aussi ceux qui veulent se fixer ici pour quelques temps, pour quelques mois dans l'année, qui prennent une résidence secondaire. Et il est très curieux de les considérer un peu comme des pionniers dans les films américains, en train de faire connaissance avec le sol, avec le climat, et puis de savoir non seulement l'aimer et l'adopter, mais aussi de se faire adopter par lui. Oh, c'est pas les gens, vous savez. Nous sommes extrêmement hospitaliers, les gens trouvent chez nous le meilleur accueil. Mais il faut qu'un citadin s'adapte à une terre. C'est une chose qui passe très vite d'une génération à l'autre, ça, les habitudes de la terre. Et moi-même, quand je me suis installé ici, après un trop long séjour à Paris, après des années, j'ai eu ces problèmes-là, et ma famille les a eus avec moi. Et nous avons peu à peu conquis en quelque sorte ce coin de terre comme il nous avait conquis avant. Et ça ne s'est pas fait toujours sans difficulté. Je me rappelle comment il a fallu remplacer peu à peu l'habitude des objets usinés par des objets manufacturés, comment il a fallu apprendre à faire pousser des fleurs, pas seulement à les aimer, mais à les faire naître. Et je me rappelle une fois, un des membres de ma famille était en train de bêcher le jardin, et je le vois courir tout affolé, en me disant, tu sais, j'ai coupé un ver de terre en deux en bêchant. Je lui dis, c'est pas une affaire, un ver de terre, ben, très bien. Et oui, pauvre bête, je l'ai pas fait exprès. Ben, tant pis. Mais oui, mais coupé en deux, en ce qui m'ennuie, je ne sais pas auquel des deux côtés je dois présenter mes excuses.